Et salut tout le monde, me revoilà en meilleure forme. Je parle un peu du nez. Ah, ça fait tellement, tellement plaisir de se recomponner. Je m'étais pas maquillée pendant 2-3 jours. Et là, ça fait du bien. J'ai une grosse journée. J'ai voulu, pour rattraper un petit peu tout ce retard, j'ai déjà demandé à Eric parce qu'il va falloir qu'il m'aide. Ça va être mon directeur artistique. J'ai envie de faire le shooting pour les robes. Tout simplement parce que, bon, déjà on est samedi, demain je crois qu'il va faire pourri, et après, bah, la semaine, il bosse, il finit genre à 5h30, donc c'est pas jouable, et reporter à l'autre week-end, ça reste également incertain. Donc, entre deux accalmies, entre deux petites éclaircies, ça peut le faire. Voilà, on fera peut-être pas des blancs trop rapprochés, parce que je suis encore un peu cernée. Pourquoi c'est blanc comme ça? Je vais me caler ici. Oui, donc d'abord je vais aller chez Leclerc parce que j'ai besoin d'acheter 2-3 petits accessoires. Et surtout, pendant les 2-3 jours, je suis pas sortie, j'ai pas été faire mes petites coursettes. Et là, j'en ai vraiment besoin. Enfin, acheter des trucs qu'Eric n'aurait pas forcément pris lui. Je compte faire péter également les fossiles. J'ai reçu une nouvelle boîte. Voilà, donc je vais pas faire tout ça maintenant hein, si je vais à Leclerc. Mais je ferai bien sûr un petit repoudrage parce que quand tu es un petit peu enrhumé encore. Forcément, tu te mouches et c'est pas terrible. Il y a quoi d'autre? Bah, coiffure. Je sais pas si vous avez vu dernièrement, il y a Nolita et Angelique qui ont fait un shooting Stradivarius dans tout Paris avec leur bus itinérant. Moi, ça va être ça. Ça va être la voiture d'Eric itinérante. On fait comme on peut. C'est aussi pour vous montrer que bah, on peut tous faire des petites journées comme ça, shooting, si on en a besoin. Et voilà, pour s'éclater. Pour le tournage qui aura lieu donc tout à l'heure, je vous avais dit qu'il y avait un modèle qui n'était pas vraiment ajusté, mais tant pis. Je vous montrerai comme ça parce qu'en même temps, c'est comme ça que je le reçois. Donc pour vous, c'est plus intéressant de voir. Et puis je vous expliquerai au fur et à mesure, je pense, les modifications qui seront à faire. Je sais, je me suis de nouveau étalée, mais en même temps, je suis tombée malade. Ouais, j'ai pas d'excuses. Toi, tu as bien raison de mettre ta petite écharpe si maman l'avait fait aussi. Je suis mais tellement fan de ce petit ours. Je l'avais eu chez Maison du Monde. J'ai hâte d'y retourner parce qu'à Noël, ils ont des petites collections de miniatures comme ça. Allez, cette fois-ci, je vais à Leclerc. On a mis le chauffage, du coup, bah ça y est, il a repris sa place sur les radiateurs tout chauds. Là, on l'a perdu. À tout à l'heure, Jackie. Je vais reprendre la voiture sur le parking de Leclerc. Je vous montrerai, je pense, ouais, ça sera mieux le petit retour, on va dire rapidos de course, même si je pense pas que je vais prendre beaucoup de bouffe, enfin voilà. Et je vous montrerai ça quand on rentrera, ce sera plus simple. Donc les courses sont faites, mais je suis un peu dégoûtée parce que dans Leclerc, je crois que je me suis fait une poussée de fièvre. Là, j'ai chaud, je suis bouillante, c'est pas vrai, je suis dégoûtée en fait. Je sens que je suis pas complètement guérie, je suis bouillante. Là, il doit faire 18 degrés, donc là, j'ai l'impression qu'il y a du chauffage, d'être sous les tropiques. C'est pas grave. En rentrant, je me prendrai un truc, mais non, non, je veux continuer à faire ce que j'ai à faire. Là, je vais aller, pardon, chez Chausséa, parce que pour le tournage, il me faut des chaussures, et il me fallait des chaussures, donc ça tombe très très bien. Et puis, elles sont pas chères, surtout. Donc, je vais aller là-bas. Après mon passage chez Chausséa, qui a d'ailleurs été plutôt cool. J'ai trouvé deux paires de chaussures. Et là, je suis en ville parce que je vais nous prendre des petits sandwichs. Ouais. Voilà. Je vous montre d'abord mes petits sandwichs. Vous avez vu un peu les beaux gâteaux? Ils sont vraiment aussi beaux que bons. Et oui. Donc celui-ci, c'est tout simplement jambon. Non, non, non. Fromage, crudité. Et celui-ci, bah, c'est chèvre et jambon de pays. Et pour notre dessert, bah, j'ai pris des petits muffins. Hein. Celui-là, ça doit être genre un Nutella et sa pépite. Alors, où en sommes-nous? Il me fallait des collants couleur peau parce que bah, j'ai les jambes trop blanches. Et même de loin et tout, ça se verra pas. C'est limite invisible. C'est effet bébé crème. Ça a l'air sympa. J'en prends deux parce que je suis un petit peu la reine du filage de collants. 20D, donc plus c'est haut, plus c'est épais. J'ai pris ce petit kit de barrettes parce que j'ai toujours des petits cheveux comme ça qui traînassent et ça j'aime bien. Ça, parce qu'avec mon nouveau téléphone, j'en avais plus. J'ai dû le décoller donc après il se collait plus et quand tu fais des stories, des photos, c'est quand même plus pratique. J'ai pris le modèle Gold. Ça, parce que quand j'étais malade, ça m'a manqué de se passer une lingette dans le cou, dans le front. Donc au moins, maintenant je les aurai. Il n'y a rien de meilleur que des chocos trempés dans le lait.
mais j'ai oublié de lait, évidemment, c'est pas grave, je reprendrai. Qu'est-ce que c'est bon. J'ai pris du raisin, donc rayon bio, et j'ai regardé longuement que ce soit la provenance France et pas provenance Espagne ou Italie. Ça, parce qu'il faut que je refasse le plein de vitamines, ça fait un moment que je prenais plus mon jus de carotte, et voilà, je pense que ça va m'aider quand même, ça reste de la vitamine, hein. Des petites pommes, et là, pendant que je suis en train de voir quelque chose, non. Jack, arrête, c'est du bolduc. Ah, je vous avais déjà dit, il y a un problème. Il avait fini à l'hôpital avec ça parce qu'il est fou du bolduc, ça le rend dingue. Et du coup, bah, il l'avale et à un moment donné, bah, ça pose problème. Sors et descends maintenant. Et je pense que c'est tout pour tout ce qui est achat. Ah non, j'avais ça aussi. De l'eau, j'ai pris de l'épargne, j'aime bien parce que c'est très riche en magnésium. Et c'est toujours bien parce que tu perds pas mal de magnésium quand tu sues comme ça. Je range tout ça. Je vous montre mes deux paires de chaussures et mon accessoire tout pratique, tout choupinou. Et ensuite, je mange. Ou je fais l'inverse. En tout cas, on se retrouve très vite. J'ai conscience que c'est de la provocation de mettre des petits bouts comme ça, mais tu dois prendre sur toi. Donc, tu restes à ta place. Il n'y aura pas de sandwich pour toi. Allez, descends. La blague, Eric, qui me dit « Ferme le frigo, avec la chaleur que tu dégages, tu risques tout. On va tout perdre à l'intérieur. » Bon, je viens de prendre mon parasamol. Je vais manger d'abord. Bah alors, tu focuses plus. Voilà. Je vous reprends après. Allez, cette fois-ci, je vous montre mes deux paires. La première, des escarpins comme ça, donc velours. Ça fait vraiment un joli pied. Bon, bah, c'est vraiment le talon extrêmement fin, taille 37. Le fait que ce soit noir, ça passe avec énormément de tenue. 30 euros. La seconde paire, j'en avais des similaires, mais elles avaient été toutes abîmées hein, à un moment donné. Ce sont celles-ci. Avec, moi j'aime bien quand elle est haute comme ça, la tache. Pardon, j'étais pas du tout cadrée. Les petits strass, bon, ça d'habitude je les mets pas, mais je trouve que elles sont plutôt. C'est plutôt joli. Et cette paire coûte bah, exactement le même prix, 30 euros. Et enfin, voilà. The must have, c'est ce que je cherchais, des protections. Alors oui, c'est cucu pralinette, mais on s'en fout, ça va être quand je vais faire mes marches cet hiver. Comment ça, c'est ridicule, je suis pas d'accord. Le principal, c'est que ça me tienne chaud. Je parle fort parce que je m'entends plus, je crois. Le truc, bon, c'est sûr que les cœurs, je m'en serais passé, mais bon, on s'en fout. J'aurai le bonnet, je serai équipée. Le principal, c'est que je puisse faire mon sport en extérieur. Et là, c'est le moment pour moi de me préparer, il y a du boulot. Ne prenez pas peur, je suis en train de me maquiller. J'ai pas ma perche. Ça, c'est ce que je vous disais. Hein. Anti-cerne à fond, la caisse. Donc là, nasogénien, les cernes, toutes les zones. On va passer... Non, je vais d'abord estomper mon anti-cerne et après on passe aux fossiles. Je pense que ça, on le voit partout. Hein, toutes les influenceuses et même stars, enfin, télé-réalité et compagnie. Magnétique SL, je l'ai reçu. On va tester. Hein. Bon, je suis prête pour une tenue. J'enlèverai mes lunettes, hein, évidemment. Mais Eric, il est pas prêt. Il est en train de faire son jeu. Il m'a dit, oui, tu m'as dit 4 heures. Mais en même temps, là, j'ai peur qu'il se mette à pleuvoir. Et s'il se met à pleuvoir, eh ben, c'est mort. Bon, sinon, voilà. Je vous montre pas le bas. Parce que oui, bien sûr, là, aujourd'hui, le vlog, vous voyez un peu les préparatifs et tout. Mais je vous montrerai pas toutes les tenues, évidemment. Il faut que ce soit dans la vidéo vraiment... dédié, qui, bah, je pense, du coup, elle sortira soit demain ou après-demain, on verra bien. Ça, c'est pour... j'ai bien aimé cette petite coiffure. Je trouvais que ça se mariait plutôt pas mal. Alors, bah, indispensable, j'ai ma petite trousse avec du make-up pour faire les retouches, des barrettes, ce genre de trucs. Là, j'ai la brosse et les tenues et l'autre paire de chaussures. J'ai au moins une coiffure par tenue, c'est plus sympa, non? On vient de rentrer, je me suis tout de suite mise en peignoir, j'ai eu froid quand même. Je sais absolument pas, quand c'est pas moi qui dirige ou quoi, que j'ai pas de retour, franchement j'ai un gros doute, après Eric c'est pas son truc, donc
Je l'ai laissé faire, mais je suis pas certaine des prises de vue. Je vais justement un petit peu regarder tout ça là. Je sais pas, on va voir. T'en penses quoi, toi? Tu penses que ça va être pas mal? Non, ça va être pas bon. Pourquoi? Hein? Pourquoi ça va pas être bien? Parce que je t'ai pas préparé. Il est 8h, j'étais en train de regarder, comme je disais, les rushs. Bon, il y aura des trucs sympas, mais idéalement, il faudrait que je recommence demain. Je sais pas. Je verrai vraiment si j'ai le temps. Je vais clôturer maintenant ce petit vlog. Attendez, je vais reprendre de face. Peut-être que j'allume quand même. Voilà, comme ça, c'est mieux. Je vais donc clôturer maintenant, hein, et bah, de toute façon, on se retrouve demain, soit pour eh bien, la présentation des robes, la fameuse vidéo, ou ce sera toute autre chose, mais dans tous les cas, je ne vous laisserai très certainement pas sans rien. Je vous remercie déjà de m'avoir regardé jusqu'au bout, et j'espère que cette petite vidéo shooting, tout ça, vous aura plu. Je vous fais un gros bisou. Salut. Moi, je pars, je vais manger.